Début de semaine à tous, madame, messieurs, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 décembre 2023. C'est donc aujourd'hui, 18 décembre, qui prend fin la campagne électorale pour le scrutin du 20 décembre 2023. C'est dans 2 jours. 2 jours, le compte, deux jours, c'est déjà les élections de générales en République démocratique du Congo. C'est donc aujourd'hui, à partir de 23h59, qui prendra fin la campagne électorale. Alors, nous allons parler avec notre invité ce matin du déroulement de cette campagne électorale. Voilà. Et puis, autre sujet d'actualité, c'est la création de cette coalition par l'ancien vice-président, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, qui a créé, à partir de Nairobi au Kenya, une coalition avec l'UM23. Il y a eu beaucoup de réactions du côté du gouvernement, du côté du Kenya. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. Alors, les candidats présents de la République aussi, c'est rallié à d'autres. Il y a Noël Tchani, l'homme de père et des mères, qui s'est rallié au numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va du reste clôturer sa campagne électorale aujourd'hui du côté de terrain Sainte-Thérèse en Djili. Moïse Katumbi, le candidat du numéro 3, sera dans le Kasaï. Fayulu a clôturé sa campagne hier, c'était samedi, au terrain Sainte-Thérèse à Njili. Les autres candidats également, ils sont restés 19 à la course. Ils sont éparpillés par-ci par-là à travers le pays. Autre sujet d'actualité, je le disais tantôt, madame, messieurs, nous allons parler du déroulement de la campagne électorale avec les incidents qui avaient eu lieu du côté de Kingabwa et Gérard Moulumba, Gekoko, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est convoqué aujourd'hui au parquet général près la cour de cassation. Nous attendons la suite et nous allons analyser avec notre invité ce matin. Il s'agit de P. Gérard Elenga, monsieur l'administrateur. Bonjour. Bonjour, madame Gisèle. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Mais il faut préciser, ici, monsieur l'administrateur, pas vraiment ici, c'est le monsieur numéro 28 Founa. Okay. Très important. Futur député. Oui. Futur député, ça c'est certain. Donc merci de l'invitation. Je salue ceux qui nous suivent à partir de l'Est de la République démocratique du Congo, un peu partout, et surtout les Kinois et en particulier mes électeurs de la Founa, pour qui j'implore la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, qu'elle soit vraiment sur eux et que leur vie puisse être meilleure. Voilà. Alors, puis j'irai commencer de rouler la campagne électorale. Ça finit déjà aujourd'hui, à 23h59. Oui. Pour le candidat Founa numéro, rappelé à nos téléspectateurs. Numéro 28. Numéro 28 à la Founa. Yeah. Tout s'est bien déroulé. Bon, j'aimerais ici, en tant que chrétien, remercier sincèrement notre Dieu qui nous a donné d'abord la force. Vous savez, la campagne électorale s'est étalée sur une durée de plus ou moins, nous pouvons dire, un mois. Il y a des gens qui n'ont pas pu battre cette campagne, non pas parce qu'ils avaient manqué de moyens, mais aussi parce que ça fait que la période de la campagne a trouvé certains dans une situation d'inconfortabilité sur le plan de la santé, par exemple. Le Batumsou Basali, campagne était pour santé et Zalagi Biente. D'autres avaient des moyens, mais ils n'ont pas eu cette possibilité de se mouvoir physiquement, voyez-vous. Alors, nous n'avons pas eu assez de moyens, mais au moins, on a eu le peu qu'on pouvait avoir, on s'est bien débrouillé. Mais Dieu nous a fait grâce que nous avons été physiquement sur place. Nous nous sommes déplacés, nous avons parlé, nous avons fait ce qu'on a pu faire. Voilà pourquoi il faut dire merci à Dieu, parce que cette campagne s'est aussi déroulée de la manière la plus calme possible. Je parle en ce qui nous concerne. Il n'y a eu aucun incident de notre camp, de notre côté. Et voilà pourquoi je remercie non seulement les électeurs de la Founa, avec qui nous avons eu de bons moments ensemble, mais surtout à travers les réseaux sociaux, à travers les contacts physiques, à travers les caravanes que nous avons organisées. Tout cela s'est bien passé sans aucun incident. Voilà un sujet pour lequel il faut vraiment dire merci à Dieu et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais hélas, c'est sur le plan général. Non, avant le général, je suis encore avec vous. Voilà. Vous avez eu à séduire, à convaincre
vos électeurs. En tout cas, sur quel point, par exemple? En tout cas, moi, je l'espère bien. Je l'espère bien. Convaincre, c'est, je ne sais pas, parce que nous, on a toujours... C'est le travail que nous faisons chaque jour, Gisèle. Ce plateau est témoin. Vous-même, vous êtes témoin aussi de ce que nous faisons. Moi, je l'ai bien dit. Que awa ezama kambouero luka soki ko convaincre ou convaincre était parce que population après 4 cycles électoraux ba koli quand même ba yebi qui est qui. Moi puis Gérard Elenga, le frère de Kinoa, avec mes amis, mes frères Kinoa qui sont au niveau de la Founa, ba yebi le travail que nous avons toujours fait. Comme journaliste, je ne fais que défendre les intérêts des autres. Et je le rappelais tantôt, avec mon petit téléphone ici, Kakaloro, la journaliste, j'ai eu à résoudre les problèmes dans ces pays. Des petits, à Tayamouké, à Mingité. Je donne un exemple. Au moins, tronçon, ils allaient entre robots sur Triomphal pour prendre l'avenir de l'enseignement. Ouais. Tu vois, non? Au Yabi place, on a un bébaki. Hein, tronçon, on a. Tu vois, robot Triomphal, vous venez pour prendre l'enseignement. Enseignement. Voilà. La situation perdurait comme ça gratuitement. Je pris juste mon petit téléphone des journalistes, c'est vrai, j'ai des relations avec ces gens. J'ai appelé le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Pasteur Godé. Mais c'est vrai que vous êtes pris. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'à rapport à que moi, place au yo, parce que l'embouteillage s'est créé à ce niveau-là, vous ne pouvez pas vous imaginer, et tout le monde est témoin. Parce que j'avais publié, je suis venu la nuit, le soir, j'ai pris les images, je suis allé moi-même chez Pasteur Godé, les mêmes images, je les ai envoyées chez Ngobila, et le matin, les images sont là. Le pasteur Godet, ils ont envoyé des services qui sont venus arranger. Moi, tronçon, c'est à cause de mon petit téléphone. Un désordre s'est créé au quartier Mapela à la Massina. Bakuluna va côté dans une paroisse d'une église. Le coup de fil n'a rien du côté où t'as quitté. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le général Benjamin Alongabon, le commissaire général de la police. L'actuel, il est là. On a combo, tu vas comprendre. Et là, à cette époque-là, Sylvana Kendegnanouté, il y a eu une intervention qui est partie et qui est allée mettre la paix dans le niveau 1. Aux hommes, on a déjà, comme journalistes, nous souffrons. Mon frère Zézalara Moko, puis Gérard, bon lobe la biso, bah, voilà la biseau, la bande d'Akoubaïbi, bah, syndicaliste, service de gardiennage, oyoyo, bah, Libanais, la bendie, bah, zonyokola, chaque jour. L'émission s'adresse au Kinoa. Ce que vous tenez à vous ne changez pas le cahier des charges de kiosque. Bon, c'est juste une langue, ne vous en faites pas. Voilà, oui, que les Libanais font souffrir chaque jour. Et les amis, là, je vous ai dit que lorsque vous posez la question, vous trouvez que ce sont des licenciés, des gradués, des licenciés en droit, des gens qui ont étudié. Voilà, tu as un uniforme, maintenant. Puis Gérard, t'as la biso likambo, bon lobe la biso likambo, on go bilaza la service à gardiennage, à foutre la biso bienté, bah libane basa la biso bout. Puis Gérard, ah, koulou la makala, lobe la biso bout. Nous parlons, tolobaka. Moi, petite solution, pe yaka, parce que grâce à la biso, tolobarande, makambo, moussou se zope sa ma solution. Tozali, moi, je suis la terre, un des acteurs principaux, sans fausse modestie, de cette alternance démocratique que nous avons aujourd'hui, où Félix Tshisekedi est aujourd'hui président de la République, Mboso Baza président de l'Assemblée, Prof Baati président du Sénat, Pasteur Godet président de l'Assemblée provinciale. Je suis un des acteurs. À cause de ma voix, na micro, na ngara Oyo, nous avons été, nous avons mené ce combat. Ici, vous l'avez vu, Ideka Kalama Loba Onazo Loba. Et je me dis, comme vous m'avez posé la question aux électeurs, ça, c'est comme journaliste. J'ai un pouvoir limité. C'est vrai, on nous classe génériquement comme le quatrième pouvoir. Nous ne pouvons que parler parce que lorsque vous dénoncez, les pouvoirs publics voient que ah, les journalistes ont parlé, bah, changeaka. Mais maintenant, je vous demande ce que je fais là. Mon père s'engage sur quoi un pouvoir de contrainte, un pouvoir politique. C'est-à-dire, lorsque vous allez me donner un mandat, il y a député national. Cette fois-là, ce que mon Peter Kazadi, je prends un exemple, le ministre de l'Intérieur, pour lui dire qu'il y a un problème d'insécurité de Kouloula Makala, n'a pas dénoncé. Ce sera au perchoir et je serai revêtu d'un pouvoir. À la limite, même un pouvoir d'obligation. Parce qu'avec nous autres ici, yo et Bigaga, ils sont blagues. Déjà, comme journaliste, on fait ce qu'on fait. Donc là, je serai revêtu d'un pouvoir. Quand je vais pour la Bunda, budget par rapport à ma problème, il y a Founa. Banzela, Maï, courant. Tu sais, je suis allé à Selembao, Madame Gisèle, j'arrive là-bas. On m'a fait même danser, tu as vu comment j'ai publié ça.
na selembao mayeza la raté batwa milaka maya forage. Les gens descendent de Selembao pour venir chercher de l'eau à Bumbu. On a ouvert un robinet total couleur ya mai au Rondi Maté. Mais un député, au-delà de légiférer, au-delà de contrôler, le député est le gardien de la bonne gouvernance. Par préséance, le député est sur le ministre, un membre du gouvernement. Mais vous qui représentez le peuple, vous qui voulez parler, porter les problèmes du peuple pour défendre Yango, pour la ligne Bokoko Sala Yango, avec nos fameux foutus 14 députés nationaux à Kinshasa, à Guinafouna, qui n'ont rien fait. Mais c'est pour... Ils n'ont rien fait parce que tous ces problèmes-là, quand tu le vois, tu te dis que non. Et puis, tout le monde va après 5 Kabazongi. Je les ai vus. Hein? Tout côté là, après 5 Kabazongi, on a zopé sa Maputa, on a zopé 20 000. Bouzoba. Justement, la population confond le rôle d'un député. Non, oui, voilà. Il est soumis. C'est pourquoi. À des cadeaux. Justement, c'est pourquoi au-delà de notre rôle, du fait qu'on est candidat, mais notre rôle de leader d'opinion, de journalistes, n'est-ce pas? Des orientateurs de masse, nous ne pouvons pas laisser ça. Je viens un autre aventurier à Kaouka en train de distribuer au Azopé, ça va 20 000, les arrivent à 20 000 l'année. La panier. Bah maman, votre dignité, Zali, panier, pendant 5 ans, si vous n'avez pas été pour l'année. Regardez à quel niveau bateau, yo, bino, bateau, la biso, biso, t'auras eu ma charge, la bino, et puis vous comprendrez en haut. Parce que biso, le soufraga. Lorsque vous appelez, vous ben, avez député à la tête. Vous appelez les journalistes, yo soufraga. Maman Gisèle, bon l'obé la biso, puis Gérard, bon l'obé la biso, bon l'obé la biso, puis Gérard. Ma journaliste n'est pas comme l'obé. Mais pas tout le monde n'a pas l'obé la biso, rabinoté. Après 5 ans, il y a vos obabino, on a zopé ça 3000 francs, on a zopé ça à Maputa. Mais tout ce qui est la bango, tout ce qui est la bino, on a vendu la peuple, on a zapé la peuple. Moussous n'a moné la ngiringi, on a kabo la ma parabati. Moussousou, oh, ceux qui s'amolent Mbemba, oh, ceux qui anini ya Kaluka, il se permet, je cite le nom, maman, si t'as d'ailleurs, non, non, ça m'engage de vous en faire pas. Samuel Mbemba, je le cite le nom. Il est passé sur Top Congo pour dire que ma maman ya Kaluka, y'a aucun insulte, ma lata pièce wax pour la première fois, y'a m'talat sa bango. Ça, c'est le travail d'un député. Et puis, ma maman, il n'a pas voté, ça, c'est les insulter. Ma papa, la bango, ma mibal, la bango, ma zaki, capable, la sombre, la bango, ma wak, c'était. Yé Samuel Mbemba, m'toua sombre, la bango, ma première fois. Et regardez, comment est-ce qu'on voulait faire des choses aux Zali, dans la députée, de comment les gens devinent. Il a fallu aussi une sensibilisation. Mais justement, c'est ça. La population. Sensibilisation. Oui. Mais je crois qu'au-delà de la sensibilisation, tant peut-être le temps était minime, mais je crois que 4 cycles électoraux après, les Congolais, surtout les Kinois Bakoli. Maman, en 2006, les jeunes Congolais qui avaient 18 ans, qui ont voté pour la première fois en 2006, Herbembala, Nanana Kabila, Babundaga, tout ça, dans l'élection en 2006. Aujourd'hui, 18 ans après, Soko Sangisi, il a 36 ans. Tu te rappelles? Les jeunes hommes Congolais qui ont voté pour la première fois à 18 ans en 2006, plus 18, non, nous sommes en 2023. Ouais. Il a aujourd'hui 36 ans. Vous voyez un peu? Donc c'est un papa, c'est un monsieur qui doit faire sa vie. Donc 18 ans après, on ne peut pas continuer Babouzo Bayamark. Et moi j'ai mis mes électeurs devant les responsabilités. Bobengarangai, puis Gérard, Lobela, oui, Nalobaka. Moi d'ailleurs, je parle plus que même les députés. Et je résous des petits problèmes plus que même les députés. Qui sont censés. Oh, le rôle de Bangoza Angola, parce que c'est ça, représenter le peuple, c'est défendre les intérêts de ce peuple, de cette population, prendre ses problèmes, les amener. Ne fût-ce que ça, ne fût-ce que ça. Il y a encore un cas qui va s'engager. Mais puis j'ai un problème de l'Assemblée nationale aussi, Sénat. Et je crois que. Il y a une question de majorité, minorité aussi qui. Non, non, le problème ici n'est pas autour de la majorité et de la minorité. Bah, tu vas comprendre très bien. Le rôle d'un député, il y a d'abord la dimension institutionnelle, hein, comme institution, et puis il y a le rôle individuel de chacun. Moi, j'ai été élu, je suis élu député, mais ce n'est pas l'Assemblée nationale Mumba comme institution, mais c'est moi. Les gens portent leur dévolu sur moi. Ça doit être précisé. Mais pour venir dans la vacance parlementaire, aux autres problèmes, au même yango que la solution auprès du gouvernement, je l'ai dit. Un député fait faire, un député ne fait pas. Oh non, ça va se faire, on les a le kouta. Oh, tu l'as ici, bino, n'a ma tembela si mandaku, n'a pondo liboso andaku, n'a ina pesi bino mapa, n'a la selle bino forage maman. Ce n'est pas le travail, d'abord, bah, n'a mbongote, parce que bah, mi, bah, 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 bah
la population aussi souffre. Hein, non, mais c'est pas le... Mais il se retrouve devant une population affamée. Madame Gisèle, oui. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une fatalité. Nous ne pouvons pas laisser cette population être abrutie à cause de ces médiocres politiciens. Tu salis 5 ans. Tu peux la banque, laisse la banque 5 ans. 5 ans, on va 2018, il est là. Bah, maintenant, on peut savoir, on va map à chaque tongo. Bah, pièce chaque fin d'année. Aux hommes, ils ont besoin. Donc, nous avons notre rôle d'éduquer cette population au-delà d'être candidat. Si Dieu me fait grâce pour être élu, je serai élu. Si je ne le suis pas, il n'y a pas de problème. Sportivement, tant mieux. Mais je continue. Je suis journaliste, je suis leader d'opinion, je suis orientateur de masse, je veux servir le pays autrement. Je suis mandataire public, ce n'est pas un problème. Mais je pense que nous autres, ceux qui pensons que toujours qu'il y a une décoration, effectivement, pour défendre la cause de la population, la population, il faut comprendre. Parce que voilà. Nous avons déjà élu en 2011 députés, élu en 2012, en 2018, même en 2006. Bah, Moussou va combien de temps, ministre, place ma décision, ou est-ce que j'ai la caméra, ou est-ce mais au PC, il y a ta solution de l'autre de mon côté. Problème, il y a foulé Zakoni. Banzela n'a dit ça. Problème, il y a Maïna, Selembao, Bumbuana, Kalamu, tout ça, ainsi de suite. Problème, il y a courant. Problème, il y a Banzela. Problème, il y a Kourou, l'insécurité, insalubrité. On va dire qu'il y a un héritage de Kinshasa. Ces problèmes-là, ils sont monnaies, ils ont habité la commune au Vanda, la Bombiango. Ils sont monnaies, ils ont la zone gata pour la vacance parlementaire. Azoata va problème. Ayata va loba. Parce que nous sommes au loba. Ce sont des solutions un peu samitées. Toyo Kalibiso, ma nouvelle génération, Toza la boue. Toza la problème et insécurité na Kalam. Par exemple, Ben Amakal. Na yé na défendre la lobiango. Na ke pas ministre intérieur, bien la mimi question orale ou avec débat ou bien l'oronine et tout ça. Na mimi ango selon formule, na assemblée. Na lobby. Solution exacte. Moukolo solution exacte. Na zongé pas l'électeur. Na na zui ba bis, ya minene ya transport. To tiè bino na ka toye biso tout l'assemblée nationale. C'est comme ça. To yé biso tout la l'électeur. Na na to bi ke non, insécurité ya Makala. Yo ministre intérieur au niveau civil sangot alors on a même le bateau vraiment on a passé comme ça yo pèse dans vos solutions. C'est alors, comme ça que nous allons commencer revient, à faire. On revient dans notre dans la langue de l'émission. Mais semble-t-il il y a un message lancé par le chef de l'État au niveau du Kwango, de la grande bande de Selma au sujet des anciens députés qui l'ont pas aidé. C'est vrai cette information qui n'ont pas qui l'ont pas aidé. Il a lancé un appel, n'allait pas porter leur dévolu sur. Donc moi je n'ai pas suivi les. Ces informations s'avèrent vraies. Oui. Est-ce que je n'ai pas suivi le président Félix personnellement, mais comme vous le dites bien, si elle s'avère vraie, oui. J'applaudis. C'est que le président Tshisekedi a compris. Les députés des palissades. Les députés des palissades. Comment expliquer la majorité à Bino Moko? La majorité est à Yabiso. Nous travaillons pour ce peuple, pour le bien de ce peuple. Mais pour prendre une initiative, pour voter, ce qui est loi pour faire, ce qui est boyé, ce qui est loi pour prendre bénéfice à peuple, nous demandons au président de l'argent. Que Pesa Bisson Bongo, pour ton l'équipe au boy. Maman. Le mandat ici, je suis convaincu. Le président Félix Tshisekedi, le numéro 20, que j'appelle Batounion, soit après lobby mardi, mercredi, pour que nous votions la présidentielle, la 28, la Founa, pour voter. Je vous dis que le mandat est le mandat de l'histoire. Parce que au regard de la Constitution, à moins que Dieu n'en décide autrement, au regard de la Constitution, Madame Gisèle, après 2028, si Félix est élu, est réélu pour un deuxième mandat, il ne sera plus président. Donc le président Félix va rentrer dans l'histoire après 65 ans d'existence à Vinaye, parce qu'il a 60 ans, plus 5 ans, il a 65 ans, à côté l'histoire pour toujours, Nenge Kabila, à côté l'histoire, Nenge Mobutu, Mouzé, tout ça, ainsi de suite. Mais le président Félix, à côté l'histoire, Nenge Nini, à chaque fois qu'on parlerait de Moukwa Tombolo, qu'est-ce qui nous viendra en tête, population, acteur et histoire la bino. C'est-à-dire, il est obligé. Et tout cela, nous crions renouvellement de la classe politique. Et Bajel Bakota, nouvelle énergie Kota, idée à Sika Kota, idée à Sika Misoyeu. Vous me voyez, moi, devant un ministre, déjà comme journaliste, je n'ai rien à foutre là, Bango, que je serai complaisant. Donc, le président Félix doit avoir une majorité dans l'Assemblée aux Ablaguete. Le premier ministre n'a gouverné les Bossali Bouzoba. Toye motion de censure Bokei. Yo ministre, yo ko sala n'importe quoi, nous te mettons de côté. Parce que Félix, d'abord, le président Félix, on a un mandat, il y a ce qu'on a mené.
C'est-à-dire que parce qu'on attend le 20, hein, on attend les urnes. S'il n'est pas réélu, il ne sera pas dans l'histoire. C'est ce que vous voulez dire. Non, je dis ceci. Ne cherchez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas ça. Je dis ça, c'est le mandat de l'histoire. Mandat de l'histoire, dans le sens, je l'ai bien expliqué. C'est son dernier mandat. C'est-à-dire, après AOA, président Félix Azana fonctionne sous Sarouloukara Kongote. C'est ça que je veux dire. Donc, après 2028, le président Félix ne cherchera plus rien à devenir. Il va aller au Sénat et aller rester sénateur à vie là-bas. Encore que c'est juste. Alors, nous allons donc, je disais que population Boza témoin. Même au sein de l'Union Sacrée, Miyibi Bazali. Bateau Bazali va rendre Félix ma tâche difficile pour diriger Baza. Je vous appelle de voter Union Sacrée, mais voter ma nouvelle énergie dans quatre Union Sacrée. Miyibi, n'a pas prédateur, n'a pas Union Soanate, Balati va poser même si vous votez Bangote. Félix a le bien mandat de l'histoire, madame. Donc des gens qui seront là, au ministre EPST, aux autres enseignants, aux ministres Nabisso, il y a eu des PES, il y a machin ou pas, pour mettre de côté. Parce que Moussa les a. Président, ministre, tel, ça la vie à l'ongolène. Batou va pour s'aniquer. Le travail à l'ongola, batou, il faut que l'ongola, c'est que l'ongola, déjà la députée. La province, la Timate, l'Assemblée provinciale à Kinshasa, ce sont eux qui pourraient faire partie de Ngobila. Mais comment ça fonctionne, on voit tout sur la tête du président. Et pourtant, si les députés provinciaux, ils allaient faire un bon travail. Mais l'ongola Ngobila Bandakal. De même, le ministre Bélé, va foutre Bélé au gouvernement et Tissouko. Va foutre, je dis bien. Ce qui basala qui est aux l'Assemblée nationale de non, attendez, madame, attendez. On est dans un virage où que ce qui est ici, c'est une vérité. Tu vas risquer de mercredi parce que nous sommes sous choix à Bouzoba. Élisez des gens, des jeunes gens, des messieurs et dames, au basali à qui, Bako Kendekuna, ministre Mbobali Bossoir au Longolais, les a députés, les a l'Assemblée nationale, nous avons la rame. Nous l'Assemblée nationale, au Moniwana, Bangombe. Ministre économie, à l'ongwa Guindaini, Assemblée nationale, oui ou non? Motion Zagana, Yeliezer, oui ou non? Est-ce que c'est président de l'ongwa qui est? Président de l'ongwa qui était? Enfin, ayez des députés comme ça, et puis nous sommes là pour ça. Nous serons là pour ça. Donc, bah, tu vas continuer de me la tête. Tout ça, les deux semaines, courage à te. La campagne électorale imaginée à Kinshasa. Courage à te pendant deux semaines. Ma, ils ont mis ma bien-té. Le quoi, dans moi, tout va la campagne électorale, nous t'en retournons à Zate. Et puis déjà, la vente, la biftec, là-bas, 20 ans, ça nous le battre pour le battre. Et il faut avoir de courage, des parlementaires qui, messieurs, ils vont expliquer, mais ils sont au devoir à redevabilité. Parce qu'après tout, ce sont des parlementaires qui sont élus par les ministres. Le ministre, ils sont au lingato mettre un mandat, ils sont en cause pour la bateau, bazar, pour exécuter. Donc, au salut, Moussala, bien te maman, on te convoque l'assemblée. Explication, ils a bien te, bah, l'ongoli, ok, pembeni. Comme ça, bah, juste moutoir, aux à la mesure, à ça, la Moussala, à refaire sa population, maï, courant, zéla. Voilà des gens que j'ai dit mercredi, bon, qui ont voté, bango. Et le numéro 28, je suis là. La défendre à la bino, boutou, moi, ils a pour la mbongote, pour les locaux, pour la nité, pour les andengé, l'angan, la salle. Moi, je suis né pour défendre les autres. Déjà comme prédicateur, numéro 28. Déjà comme prédicateur. Comme journaliste, comme activiste des droits de l'homme, puis Gérard Elenga, c'est tout ce que j'ai fait. Bemba témoin. Qui n'a tout la bemba? Non, mais j'ai Gérard Elenga. Bemba Yobi. Je le prends à témoin. Là, on a parlé de vous, puis Gérard, maintenant nous parlons de vous. Le numéro Zamoro Nafuna, c'est le 28. Numéro 28 Nafuna. Kende mercredi à 6h. Votez, bisous de l'unité, tantôt à voter sans boyer. Oh, bah, votez. Comme ça, pour qu'il ne soit pas comme c'est bon. Numéro 28. On commence toujours par le nom, mais c'est le numéro. On commence toujours par le nom. C'est Elenga Pela, puis Gérard. Le numéro, c'est 28. Et puis, chance, un numéro prophétique. Parce que, Erosol, le qui s'en ordinateur, 28, je crois, troisième page, je crois. Donc, tout ça, à la début.
Contrairement à 1800, 3500, Bonabo. Donc 28, c'est facile. Alors, de façon générale, puis Gérard, parlons maintenant de. Maintenant, de façon générale. De façon générale, le déroulement de la campagne électorale. On a vu l'incident de Kingaboa. Aujourd'hui, il y a Gérard Mounoumba-Jekoko qui a été convoqué au parquet général près de la Cour de cassation. Votre commentaire va avoir. Bon, écoutez, d'une manière générale, le candidat numéro 20 avait lancé la campagne électorale ici au Stade des Martyrs. C'est vrai, candidat à sa propre succession, mais je l'ai expliqué ici qu'il y avait un sur les 26 qui avait deux casquettes. Il était à la fois, il est à la fois candidat président de la République au même titre que les autres à sa propre succession, mais il est président de la République en fonction, madame. Je vous dis ici que le 20, le mercredi le 20 à minuit, Félix Tshisekedi peut prendre son stylo et vous nommer vous comme je ne sais qui. C'est pour dire qu'il continue à gérer le pays jusqu'à la dernière seconde de la remise et reprise entre lui-même et lui-même parce qu'il a été réélu. Vous comprenez? Je vais dire tout simplement que le go avait été donné, le temps est donné. On est passé partout, lui il est passé parce que Batopena pena sur le plan présidentiel au Basali, campagne Penza, Bazaka a peu près ce qui trois. Il y a le candidat numéro 20, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, et puis le candidat numéro 21, Martin Fayoulou. Moukwege s'est illustré avec vraiment de l'aventurisme. Et puis. Il y a Mouzit aussi ensemble. Oui, Mouzit aussi ensemble. Hey, j'ai oublié, Constant Moutamba. Constant Moutamba. Quand là, numéro 2. Hein? Numéro 2. Non, numéro 2. Constant Moutamba, ce jeune-là, a fait la campagne. Constant Moutamba a sali campagne. Les images, moi, je les avais chaque fois. Il a fait la campagne, ce jeune-là. Il est à féliciter. Soit on a dit, il a détour. Alinara joue mon rôle, Moro est bien sur le plan politique. Lui, il s'est pas rallié à quelqu'un comme non, tout ça, là, nous, bah, tu vas se rallier, Lélo. La minute, Lélo, peut-être, là, va mourir. Jusque demain à minuit, au Koyoka, bah, tu vas se rallier. Et moi, je demande à Constant Moutamba clairement ici qu'il puisse se rallier à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Non, je le demande, maman, parce que Félix a gagné, naïe. Bah, voilà, l'agneau, son abat fou, l'agneau, son aïe, Kendouan. Alors, le ralliement. Ah, se rallier à Félix, ministère à Rosoua, tout ça va arranger. Comme Baba Noël, Tchani et les autres ont fait. On est banni, mais on est dans la famille. Oui. C'était prévisible. Alors, la patronne, je l'avais dit, on avait des aventuriers politiques comme les 7 Kikuni, l'ancien rebelle ici de comment il s'appelle de Sesanga, un aventurier politique non, aussi. Non. Et puis, madame, mes propos, madame, dans tous les cas, c'est moi qui parle. Je dis, c'est moi qui parle. L'encouragement, c'est ça. Je répète, ce sont les aventuriers politiques. Parce qu'on savait que Batoloko là, Barek Sekazadi, Set Kikuni, Sesanga, tout ça, prof, ma tata, aucun de la bango place Mouroté. Katumbi Loko la somme Baragnon, il les a achetés comme Mangouba, allez, va rejoindre. C'est clair, et Baragnon. Mais Chani aussi a été acheté. La lobby, bien ces gens-là, ils sont venus avec une posture croyant que ce qu'ils n'ont pas. Mais Loko Mouroté, regardez la début à campagne dans la ville, Awa, ce qu'on tamboli, Sesanga dans la 4 panneaux. Franck et Dion Waza, ceux qui n'ont combien? Parce que lui, se disait candidat président, la monité, la Kinshasa, Boua, Pingo, Bissoukou, Totia, Bapano, Olekata, Bango. Ils font un travail en coulisses. Autrement, hein? Quelle coulisse? Le travail de campagne ne se fait pas en coulisses. Il se fait et puis on le voit. Parce que moi, Katumbi, Mokwazo, Lekazo, Drené, Batou, tous les gens ont. Vous comprenez? Donc, c'était des aventuriers comme ça qui sont venus embrouiller le système électoral pour rien. Bamoussous va se déplacer même pas un pas, à Bimiata, Kinshasa. Le roi mère n'a Marie José, n'a habité ce qu'a Bimiata Kinshasa Marie José, il faut. Il y a un big rapport à sa mère. Donc, hier, par exemple, Abimina a été. Bon, Joël Bill, il a sali campagne, le col a une candidate députée. Donc, voyez-vous, campagne, le qui entre Tshisekedi, Katumbi, Fayoulou. Au moment de Fayoulou, ça va plein à Elobina Tchang. Le lot Félix va déborder les vases de Rosalandenga jeté. Donc, nous avons vu ça. Incident de quoi de Kindu. De Kindu. Nous avons déploré un peu. Je suis au niveau présidentiel. Bon, il y a moins d'appel, mais il faut savoir que le camp Katumbi aussi est spécialiste en manipulation, en auto-victimisation, tout ça ainsi de suite. Avec les sangs qui coulent, vous parlez de manipulation. Mais justement, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour justement se victimiser. Bah, nous faisons raison la population. Mais dans l'ensemble, sur le plan présidentiel, la campagne m'a envoyé bien. Sur le plan de la députation, il y a un peu de qui n'est bien. Mais nous déplorons, par exemple, à Kaouka, na Founa, il y a un candidat qui se croit que y est Azamoukol. D'abord, il fait partie des anciens candidats au Batoubalingi Bangote. Nous devons valoriser la fonction parlementaire, madame. Au moins, il y a la commission, le parlement.
Commission défense et sécurité, commission PAJ, politique administrative et juridique, commission socio-culturelle, commission affaires étrangères, commission environnement, tout ça. Soko tangate bongo zate, parce que kuna bazwaka batu par spécialité. Oza juriste généralement, il faut se retrouver soit na PAJ. Oza la notion mamba défense, mamba sécurité, il faut se retrouver na commission de sécurité. Donc kuna zalgamaye, il faut mettre ma pierre na yo na katia commission. Mais vous nous prenez les anciens vigiles. Nous sommes pendant 15 ans à Porto, il y a une sentinelle, il y a une école, il y a Belge, il y a Moroboy. Vous nous amenez des gens, oh ok, maïe les athées, parce qu'il faut que je le dise. Vous sociaux, toi, maïe, ce n'est pas un péché, toi, le bayango. Donc des gens comme ça, qui vont aller comme ça, vous applaudir du début à la fin. Bandi Maragnon, on a parlé. Bon, position, position, elle est balagatée. Oui, 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 non, non. Il y a un incident parce qu'on parle de. Bazabongo, les gens pensent que va fief, monsieur, comment y a bango, d'autres personnes, d'autres Congolais, bah, goyate. Et ils entretiennent des milices pour la que Babylon va bakenda mususu ba pekisa bona boba sala bo. Moi je vis ça. Pembe na ya université catholique. Il y a deux jours to uta ki réunion na biso na kauka ngambu to zoya et bon. Biso to wana to za ba leader na kauka no zo mona. Ba kauka ba yolo ba nini wana nous pouvons donner des mots d'ordre depuis maramama be ko salema mais nous ne pouvons pas faire ça. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas faire ça. Ngala za mungala. Les incidents les compétition électorale, c'est un jeu. La population va porter son dévolu et pas monter à Obama. Mais biso on a devoir à conscientiser bango. Donc on a trouvé des incidents comme ça batuba zokaki héritier azana. Akauka la zo biso on a perçu bien la rota et pas quasi hein mais c'est maître quasi hein et pas na yewana. Batuna na l'autre candidat qui entretient des voyous, ba koutela ki wana et batuba zokaki, c'était grave na zo on a boutou na 22 heures. J'étais obligé même de descendre. Hier. Et on a appelé la police avant-hier. Avant-hier. Biso sali to sali campagne. Je n'avais pas de garde derrière moi à part bana na biso to zana bango. Mais bazala ba policier na sima poni po ba yebi. Alors par rapport c'est déplorable. Aujourd'hui Jekoko est convoqué au niveau du parquet général près la cour de cassation parce que c'est là qu'il peut en répondre comme vice-gouverneur. Mais on déplore parce que tozo monango na ba réseau awa des témoignages qui viennent des gens qui habitent Ndanou. La dame est là oh Lisa c'est joie qui est na lisu balobe akufi. Parce que dimension wana akokai ko bikate et j'ai du mal. J'ai du mal, je ne sais pas. Justice est Kendegaga est là et interrogé Jekoko si c'est lui qui est effectivement responsable ou c'est lui qui a convoqué cela, mais au moins que la justice fasse son travail. C'est pourquoi je disais, les gens qui prennent la violence, baye que les Congo ne s'arrêtent pas le 20 décembre. Après le 20 décembre, le Congo va continuer. On documente sur ce que vous faites, même après le 20 décembre, vous avez fait un peu. Et encore que on a tous les 500 députés partent, on a l'immunité, on a zaté. Et bien les peuples vous a réalité. Même pas 3% dans la réalité. Donc, qu'est-ce qui va pour après Awana Bouzo Banayo, le 21, pour battre pour Bakandio, pour qu'on réponde à Bouzo Banayo Sal. Donc, nous attendons du procureur, attire ça l'instruction, tout ça, tout yéba, qu'est-ce qui s'est passé? On déplore ce qui s'est passé dans Ouvira. On a assassiné deux candidats. J'ai dit, oui, mais on a assassiné. Bah, assassiné Bango. Dans la souka, n'est campagne quand même, n'est kendeli, et la violence d'où qu'elle vienne, du côté de la majorité ou de l'opposition. Nous avons vu Franck Diongo avec un comportement voyou, parce que le comportement. C'était pas bien. Non, les attendez, madame, les attendez, madame Vivère. J'ai dit bien le comportement de Franck Diongo était un comportement voyou. Il m'a pas convaincu, Natop Congo, en disant on a calmé la situation, la salle semblant. Semblant l'ongola, mais réfugié, tu sais ce qu'il dit? Semblait recalmer la population. Il se prend comme un dieu dans Galiem. On a dans Galiem, je suis comme un dieu. Depuis quand Dieu envoie Dieu en Galiem? S'il était Dieu en Galiem, Eliezer n'a pas la mieux élu en Galiem. Les autres qui ont été mieux élus ici, ben, il est allé avec un comportement voyou, arraché, réfugié à Tshisekedi. C'est comme ça que la force du progrès, aussi dans un comportement voyou, qu'on brutalise, qu'on s'occupe avec tout ce qui s'est passé. Je voulais tout simplement dire que qu'est-ce que ça vient, et où t'es pas Franck Diongo, et où t'es pas la force du progrès, moi je condamne ça. Et surtout pas Franck Diongo, un leader, un politique de son rang, candidat président de la République, candidat député national, provincial, tout ça ainsi de suite.
tant que ça ne pouvait pas venir de lui. Voilà sur le plan général ce qui s'est passé et nous déplorons cela. Voilà, c'est pourquoi par rapport au comportement, peut-être toujours contre ma question, je suis en train de dire ici aux Kinois et aux Congolais d'une manière générale, parce que cette émission va être très suivie. Nous voyons que nous avons que l'exango soit aussi ici copie et que nous avons RTNC. Le comportement des gens que vous devez regarder 4 cycles électoraux après, vous à la prudence. Tout le monde peut souffrir dans la place de nous. Les amis, ce que vous avez dit, vous avez dit, le Congo oyo eza ya bango kaka et puis bazali na lukunga awa na boko tanga na ba famille po mona ke non bazali le papa candidat mama candidat bana candidat banoko candidat famille parlementaire kaka ils sont à lukunga c'est justement la faiblesse de la loi et vous verrez comme ça tous les premiers suppléants soit que zali moi si hôtel comme bazala ba bureau belle za deuxième bureau eza makango eza cousin eza mwana donc pour eza ko sakana na bino. Après, demandez, votez-t-elle. Moi, je le dis parce qu'on me pose la question sans me gêner. J'ai toujours fonctionné comme ça. Auprès de moi, si tu es membre de la famille, si tu mérites, il n'y a pas de problème. Mais je ne fais pas du favoritisme à cause de ceci ou de cela. Voilà, on parle de la coalition. Mon premier suppléant, Azamouba, mon deuxième suppléant, Azamongo, je n'ai aucun lien de famille ou de sang avec ces gens-là. Parce que je trouve qu'ils ont mérité. Tous sont des licenciés, ils se donnent pour la chose politique. Vous avez déjà un parti politique, il y a Union Sacrée, Yébani Yamakasi. Alors, je les ai placés comme un suppléant et posé dans mon problème au côté. Donc, Batouala, c'est un candidat député national. D'abord, il va embrouiller Bino, au Kanga numéro 9. Après, il va numéro 6800 au Kanga numéro 9. C'est un candidat député national, provincial, municipal, candidat président. Il va se dire que c'est sérieux, voilà l'égoïsme. Des gens pareils vont réserver les sorts qu'il faut. Alors, on parle de la coalition qui était née à Nairobi au Kenya, Corneille Nanga, qui s'est coalisée avec le M23. On a suivi la réaction même de Nairobi, hein, du Kenya, de ce qu'on a appelé de dénoncer ou d'arrêter le groupe. Hein, Corneille Nanga et son groupe, le Kenya dit qu'ils sont plus un pays démocrate et qu'ils sont libres. Le président, je l'ai suivi personnellement, qui dit même lui-même, il est... Tout le temps, il y a des déclarations contre lui dans les médias là-bas au Kenya. Alors, comment vous avez perçu, comment est-ce que vous avez vous commenté par rapport à la naissance de cette coalition? Bon, je commence d'abord par Ruto. Ruto, c'est le président kenyan, n'est-ce pas? C'est un monsieur que je n'aime pas. Je ne l'aime pas. Depuis son accession, je pensais même que si Raila Odinga pouvait succéder, Linga Ezamawala, Ruto, je ne l'aime pas. Il est dans l'air logique de Tutsi Power, tout ça. Sont taliés, ses positions. Vous avez vu le président Tshisekedi, Air Force et AAC, Yaki. Comment il était en train de gueuler les chefs d'état-major général des forces, hein, les commandants des forces de l'AAC, là, c'est un Kenyan. Nini Batunabiso Barikizaki et Puyazongi, les forces armées congolaises Barikizaki et Azongi, tout ça. Donc, Ruto, je ne l'aime pas. Si cette émission est suivie et pas la Bango, Balandango, je ne l'aime pas. Ça, c'est sûr. Je n'ai rien à foutre avec lui. Je ne l'aime pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas aussi clair avec nous, avec le président Tshisekedi. Ça doit être dit. Deuxième chose, j'ai maudit Nanga. Nanga, la malédiction de tous les ancêtres du Congo. A commencer par la malédiction de Fumukimbangu, de Lumumba et de tous qui sont morts pour la dignité de ce pays. Malédiction et l'anda Nanga. Asuki, ça sort, moko ya vine, ça sort, il n'y a pas si place à Zali. Nous pourrions... Moi, personnellement, je peux excuser ou pardonner tout le monde, sauf Nanga. Comment quelqu'un qui est acteur de ce processus électoral, quelqu'un qui a proclamé Tshisekedi président de la République, et Nanga, il est diacre, je vous le rappelle en passant, il est diacre de mon église, ah bon? C'est-à-dire l'église protestante. Au nom d'égoïsme, qu'est-ce que Nanga n'a pas amassé? Je vois encore le jour où Nanga était nommé entériné par une ordonnance, président Asseni, il est ami, Nanga est ami à un frère, je peux citer son nom, Jean-Blaise Andoulou, Batanga Place Mongo Basilisa.
le père des enfants de Madame Christelle. Et Toyambi, je faisais partie de l'organisation, Bissonaba Christelle Wanga, parce que c'était le mari de Christelle, de l'organisation pour la Oyambaye, Awa et pas Moutoua, Père Nabiso et des personnes, la ville, le vieux Moutanda. Nangazoya, là, on le voit, on l'a pour lui faire honneur, la promotion des gens qui l'ont. Promotion, on est Bayambaye, tout ça. Je vois encore Nanga. Nanga aujourd'hui c'est un millionnaire, il a tout amassé, il a tout volé, détourné. Quand les gens allaient au Congo, il y avait la richesse, n'est pas comme Nango. Parce que le courage qu'il avait avant de fuir, ils allaient Bongo. Moi j'avais dit dans les médias, mais Nanga il fallait l'arrêter. Moi quand on se comporter comme un état, madame, moi je suis, je fais les droits et je sais ce qu'on appelle le pouvoir dérogatoire d'un état. Vous savez la force, hein, la violence appartient à l'État. Moutou, mon côté individu, soit-il, n'est-ce pas, qui bien balobé à Katumbi, à en connivence dans ma force russe, dans ma bosse, Moutou, bien balobé, c'est grave ce que Bemba dit, si ceci vient d'un ministre de la Défense, Babylon, bien balobé, mais j'ai aimé. La souka, Bemba est resté quand même les Bemba là que je connaissais il y a de cela à 26 ans. Bemba lobby, si qui ose. On va utiliser le pouvoir public et celui-là va rencontrer le feu à Okutana Moto. Un individu a un état milliardaire, soit-il comme Katumbi ou qui. Ça fait peur cette coalition. Mais on sait que bon, ça ne fait pas peur. Une coalition née dans une contexte parce qu'ils ont fait peur. Nangazana a une dindimoko qui ne représente rien. Dieu va s'occuper d'abord de lui. C'est Nangala. Nanga représente quoi? Nanga il représente. Nanga... Faire peur à un état. Nanga faire peur à un État, la coalition c'est une faire peur à un État. Ah Boni Boueko, c'est regrettable, c'est extrêmement grave. Ça c'est l'acte de la plus haute portée d'une trahison qui ne dit pas son nom. Un ancien président central électoral et ASENI qui va se rallier avec un mouvement de Rwandais, de rebelles. Et puis t'as la déclaration, soutien à Moïse Katumbi. Est-ce que c'est gratuit? Bah Jean Bertrand, soutien à Moïse Katumbi, votez, c'est gratuit. Osomona, lorsque nous étions en train de vous dire des choses ici, que ces gens-là savent ce qu'ils font. Mais seulement je suis en train de dire à Francis Kalombo et à tous les autres, et à Olivier Kamitat, bah cerveau monter à Katumbi. Bah Zala quand même un peu plus courtois, bah Zala un peu plus lucide. Ils peuvent accéder demain au pouvoir, ça va être quelque chose de bien. Mais bah conseiller peut Moïse Katumbi bien. Herba rebelle M23, Bangoma, bah Bertrand, bah Tounio Solo, Bazali, l'antithèse de la volonté du peuple congolais. Bah ont appelé à l'élection de Moïse Katumbi. Si le père, il y a communication politique, c'est très dangereux. Ça joue en défaveur, il y a Moïse Katumbi. Rebelle M23, et aussi les Congolais vont voter Katumbi. Ça ne joue pas en faveur de Katumbi. Parce que le vrai Congolais, bah, au moins, là, non, c'est que 15 ans, il y a que Moïse Katumbi, conseiller Naïe Bazalé en connivence, il y a un lobby, il y a M23, dans Rwanda, et ça, il y a solo. Or, il y a dit que Bissot Kagame, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Vous attendez quoi? Une réaction? Hein? Vous attendez une réaction de la part d'ensemble pour la donc, République. Mais justement, j'ai suivi Vienanga, Francis Kalombo, le dire ici Top Congo avec beaucoup de légèreté. Qu'est-ce que Moïse a à voir là-bas? Non, politiquement c'est grave. Comment les rebelles, les supplétifs du Rwanda, M23, Bango, va voter? C'est qu'ils sont en connivence. Ça confirme cette thèse. Politiquement, sur le plan de la communication, c'est dangereux. C'est en défaveur, il y a Moïse Bazo et Bangote. Nairobi, Kenya, Pigera, c'est devenu. Donc je dis que c'est un centre. Je peux poser ma question. Allez-y, que allez-y. C'est aussi le centre des tout débuts, si je peux dire dans ce sens-là. On a vu Kachéné à Nairobi. Non, une mauvaise. D'abord, je réponds rapidement à la question. Une mauvaise comparaison. Cap pour le changement. La coalition qui a mis ensemble l'UDPS et l'UNC par leur leader à l'époque Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'était une coalition politique et légale, maman. Bakel à Nairobi, c'est une coalition électorale à la suite de ce qui s'est passé à Genève. Ça n'avait rien de complot contre leur État. Mais ça, c'est un complot. Parce que Nanga est allé s'allier avec des rebelles. Et puis, les rebelles, en gros, c'est les Rwandais. Donc, il n'y a pas de commune mesure. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Ça, c'était une coalition politique. Un accord. D'abord, c'est un accord politique. Ozala qui basait essentiellement sur les élections.
essentiellement sur les élections, mais pas une coalition du genre rebelle rwandais avec Nanga, tout ça. Ça, c'est un coup d'État, ça, c'est une trahison, une haute trahison contre son pays. Vous savez, moi, pour le Congo, je suis prêt à laisser ma vie. Je vous dis vrai, madame. Non, je vous dis sincèrement vrai. Et la réaction du Rwanda, du Kenya, si cette réaction-là aussi est venue là, qui sont qui route, qui n'ont d'abord la réaction, elle est bien, nous tous la merci. Rappelez notre ambassadeur, ça devrait désormais être ainsi. On en a marre la hypocrisie, Oyo. Si c'était la refoula moutema, même Kabila aussi, avant de faire refoula moutema, même si l'histoire se rappellera que Bilo comme ça, dans le bana Kabila, les a qui vrai, refoula moutema. Mais après, ce sont les mêmes qui se retournent contre nous. A commencer par Bassassou Nguessou, Oyo, Routouana, Banani, tout ça. Donc désormais, ils ont au tiers, ça doit être comme alors, ça. Rappelez-nous l'ambassadeur, celui de qui il va convoquer après sa réputation, si ça ne tient pas à expulser, à qui ne va pas dire ça. Mais qui ne n'importe quoi. Ça démontre que c'est les relations entre les pays, ce sont plus des intérêts. Hein. Non, pas ce sont plus. C'est un principe cardinal, madame, dans les relations diplomatiques, dans les relations internationales. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui a appris les cours de la vie internationale. Donc les relations entre États ne sont basées que sur les intérêts. Ce qui est intérêt, c'est que vous avez dit, oui, parce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, intérêt au sens vulgaire du terme. Mais, l'État, l'État, ils ont intérêt. Ce qui est intérêt, c'est que vous avez bénéficié par la Kenyaté. Vous avez bénéficié par la RDCT. Vous avez dit, relation diplomatique. Donc, on doit pas donc, vous voyez des gens qui hébergent des rebelles dans leur pays. Qui veulent à tout prix, parce que ces gens-là veulent même la mort physique de Tshisekedi. On doit vous dire la vérité. Vous avez suivi la déclaration de Nanga, qui est M23 par rapport aux bandes d'action à Kinshasa. Et la bande m'a ramené après la Botola qui va carrer mini. Il a dit ça ici, sur Top Congo, toujours, dans les médias étrangers. Donc je vous dis que ça doit être ainsi. Donc, bon, sali bongo, ma bimiseli au gauche, ma pêche au droite. Donc, va rappeler l'ambassadeur Nabisso. Et s'il faut passer à la vitesse supérieure, comment vous hébergez des rebelles qui veulent, ou des gens qui veulent à tout prix par des moyens non démocratiques, renverser un régime démocratique? Mais bino, bon, pêche si bango grand hôtel Nabino, ma sali conférence de presse, ma zone là. Simple déclaration, ce n'est pas une simple déclaration. Simple déclaration, la politique est à la ratée. Quand Nanga raconte des bêtises là-bas, et vous appelez ça simple déclaration. Mais Gérard, donc on ne doit plus commencer à crier diplomatie, hein. Donc, diplomatie, oui, mais lorsque les volontés se rencontrent. Mais quand les volontés ne se rencontrent pas, vous avez parlé tantôt ici de ces principes cardinaux au niveau des relations internationales. Intérêt. Mais ce qui est intérêt, la vie, c'est athée. Si je n'ai pas intérêt, Panayo, je m'en vais, madame. Je laisse tomber. Merci. Je laisse tomber. Doudou Montiri, numéro 825. Bana, c'est quel commis? Alors, Doudou Montiri, Doudou Montiri, Mbote Nayo. Oui, Mbote Toko. Osa candidat conseiller communal. Numéro 28 Nafuna. Bande la Mopo. Toko ya et Pai Nayo, puis Gérard. Puis Gérard. Puis Gérard, après ma mouki olobi mingi. 825 na Monga Fula, conseiller communal. Campagne aussi la Lelo. Doudou Osa coach ya kiosque. Oui, le coach est venu. Le coach est là, on l'a vu aujourd'hui. Message Nini. Beaucoup lancé. L'immortel Doudou. Naba électeur Nayo. Namonga Fula. D'abord, merci Naba téléspectateur, Naba auditeur, Naba Ndegozo dans la kiosque de Parlement. Doudou Montiri Yeyo, Oyo, Benga très souvent coach et le réalisateur des kiosques. Bon, Namonga Fula. Tango et Kouki. C'est ça le message. Très souvent, toujours Batoyo. Singala aux la commune, la Bissoté, pour la Okamba. Parce que moi, je vois. Les choses autrement. Puis j'ai raison, mon angai conseiller communal, oui. Bougoumestre. Voilà, Ebi. Donc, la stratégie, la MLC, vous savez, coaching, et où tu vas conduire la partie. Donc, coup de chapeau d'abord à notre président national, Jean-Pierre Bagumbo. On a insisté très souvent, bateau, bon, n'importe quoi pour le président national, on va faire très attention à Jean-Pierre Bagumbo.
on est sur le bac, tout ça, on ne fait pas. Il faut respecter. Partout, au Bundapo, on a évité la bacanisation de Bokanabiso. Donc, le numéro 20, Fatih Béton, le 20, on votait numéro 20, Fatih Béton. 825. 825 de Doumontier. On a dit, bon, mon corps, on a solutionné le problème à Mongafoula, parce que trop, c'est trop. Les étrangers, va pas y avoir. Préciser, conseil communal, les importants. Conseil communal, la quatrième position. Donc, aujourd'hui, président Fatih Béton, numéro 1, la première position, numéro 20, Fatih Béton, au Kiti, la nationale. Voter, la provinciale, au voter, la. La communale, Sigo, Founa Sigo, la nationale. Ah, yo, puis j'ai là. Alors, Sigo, la quatrième position, aux yeux du Doumontier. Pourquoi? Parce que, mon gafou là, ils ont un problème de bélé, mon taïbi, mon gafou là, le roi l'a azaté. Ah, ça, je confirme. J'ai fait 50 ans à mon gafou là, naïbi, bah, méandre, bah, pour nous, ça, mon gafou là, la zone maîtrise en haut, et le lot, bah, mon gafou là, bah, j'ai conscience, bah, on est sur la campagne, ici, en haut, les lots. Voilà, mon gafou là, il va voter Binoté. Il va voter Doudou Montiri. Parce qu'il est inactif, mon gafou là, à la Kissi Bango, à Pest. Tout sur lui, Nabango. Bino, ça va carnaval, il colonne à Zanassé, la base. Tout sur lui, Nabango, le 20, il va voter car Doudou Montiri pour résoudre tous les problèmes à mon gafou là. Pourquoi mon lobe la solo, mouta rolo, bah, rotele, mais la pibou. Nabon, vous m'aimez, mouta rosa solution. Boni, bah, l'équi, boni, bah, teki, boni, bah, sali, oh, bah, sali, pour l'intérêt de la Binoté. Vous m'aimez, ça fait un arabe, t'es fan dans la commune, mon sou. Ce qui est aussi un problème à Koulouna, à qui parle à l'équipe. Mais Doudou Montiri, il va toucher ma maman. Parce qu'il a ma belle langue. Les Camerouzans, ma maman, sont pas là, naïbi. La rouille, voilà. La Kenel, qui m'a posé un problème. La piscine, qui m'a dit, qui m'a maman, qui m'a dit, qui m'a dit, Doudou Montiri, tu as là. Doudou Montiri, tu as la pomme, et bébé, qui m'a dit, la qui partout, les maïmbou, mon lili, le roi la mort. La qui la, vous la manenga, la tamboli partout. Il y a des problèmes sérieux. Et la personne qui convient, c'est moi, Doudou Montiri, 825, pour résoudre les problèmes de Mongafoula, conseiller communal Mongafoula. Et je crois bien sûr au boy, aux zones de la Passy. Ce que vous dites, Doudou Montiri, tout de suite libération, tout de suite développement Mongafoula, tout de suite changement à Mongafoula, c'est ça la solution véritable. Et bien voilà, 825 à Mongafoula. Doudou Montiri ou rien. C'est Montiri Moufounou. Bon, Doudou Montiri, Moufounou. C'est Doudou, c'est. Bah, comme Doudou, il bosse. Non, attends, Moufounou, il a posté. Non. Zéla l'a fait, ça m'a éclairci ce moment. C'est pédagogique. Oui. Élection, ils ont à quatre niveaux. Oui. Niveau présidentiel, niveau députation nationale, députation provinciale, la députation communale. Ils ont bon mot. Conseil communal, ils ont députation communale. Donc, pour valider il faut voter quatre niveaux. Okay. Alors, on vote ici les numéros. Combien de deux ailes soutenir importante? Et l'autre est important. Oui, on sait. Où les alliés Montiri, Moufounou, Doudou. C'est comme ça. Donc, on commence par les noms, poste nous et prénoms. Mais l'autre, comme électeur, il y a Doudou. Il faut pas Kanga. Ils allient plutôt numéro 825. C'est plus parce que 825, ni balé la commune, Bazate, Moko, 825, Moko, la Mongafoula. Ils ont Doudou Montiri. Comme 28, la députation nationale, na Founa Moubimbe, Zaka Moko, et Lenga Pelapi Gérard. Mais Batouba Kanga numéro 28, c'est simple, pour les amis balété. Donc, c'est ça la précision qu'il fallait donner. Donc, bonne chance à Doudou. Bonne chance à Elenga, puis Gérard, 28. Ah, en tout cas, bonne chance à 825. Misso, il faut ton compte à Mambo, papa. Toi, j'ai dit, merci, pardon. Merci. Est-ce que Misso, c'est la fin? Moi, de la fin. Merci, Doudou Montiri. Merci. 825 à Mongafoula. Merci. Conseiller communal. Il y a aussi 1145 René Bonganga. Ah, René Bonganga, 1145, Tchango. René Bonganga, la Tchango, bah la Tchango, 1145, René Bonganga, 1145, 1145, 1145. Très bien. C'est simple, René Bonganga. Alain Kabongopé, conseiller communal, numéro 414. 414 Nandjili, Alain Kabongo. 414 Nandjili, directeur technique Nabiso Awa, Alain Kabongo, 414. Alors, puis Gérard, c'était vous mon invité principal. Hein? Merci. Alors, beaucoup. Vous merci. Vous avez votre dernier voilà, mot. Voilà, je veux vraiment remercier CCTV. Et vous, Gisèle, particulièrement. Peut-être, qu'est-ce que j'ai dit, Ayoki, prière Nabiso, peut-être une émission en Souka comme journaliste. Okay. Je le dis bien. Peut-être une émission en Souka comme journaliste. Ou après le 20, je pourrais être élu député. Donc, nous avons la casquette. Donc, merci Nayo, merci Nadoudou, merci l'équipe Moubimba. Et c'était naturellement normal.
parce qu'il faut voir que je suis pionnier de cette chaîne. Bisonde to utana bemba na zamba to ye awa to ye to installer CCTV ezalaka kala Zaïre canal Zaïre soki lo ko ending voilà canal Z bilo mo ambongo. Et je ne suis que revenu chez moi au moment que je vous ai fait cet honneur même si là mon condina RTNC mais au moment que na osala bino honneur pour na souk sa campagne awa. Na lobi bien logo dudu lobi zali important to lembi. Il ne suffit pas pour na ndako famille pour ko résider ndako famille n'est pas na bango. Mais comment za bougoumestre ya makala mo vanda na kitambo. Et ça, le rôle à moi, c'est au pépito qu'il a, la postulée, la founa, la députation, mais ça, bougoumestre, na kitambo. Et ça, puis le rôle, c'est normal. Ce qu'on fait dans l'Illinois, les États-Unis, et ça, place Barack Obama à Vandaga. C'est là, il se fait élire sénateur. Doudou, s'il vous dit 50 ans, à toi, mon étibo, ça ressemble un peu à son âge. Je vais dire qu'il est né à Mongafula, il a grandi à Mongafula, il vit à Mongafula. Moi, je vis à Founa depuis des nuits et des nuits. Je suis là chez moi aux Alagana. Tu es lire yo awa, au combat au vent dans ma campagne, au combat au vent d'appui batou na boutou, bougoumestre, ba yako louko pour la problème aux athées. Député batou ba yako louka, ben gopé sa moi solution aux Alagana na bangote. Vous pensez que tout le monde n'a pas si mette au vent d'arawana. Banda ko komi 6 heures, ba yé déjà au télé milayo, boutou moi et moi aux athées. Mette aux Alagana parce que ton dimiango. Donc, message à souka, boyoki na lobby et belé le lot pour la lobby ma kamboa, 4 et belé le lot. Bana funa na zota la bino wa kamera nazaye awa yelo bagaka yelo bagaka ba bozo nga bina bozo wala message asuka bana funa na zota la bino na defonda ka bino deja na pesi bino ba exemple o ezali ba palpable awa mezo zanga nga kaka bo pesa ngai pouvoir politique wana na bonde li bino ozana makala ozana bumbu selembao kasavubu ngiringiri ozana kalamu. Moi, je suis de Konangaï, Olanda, ma patte, ma personne en Giringiri, ma pana barolé Sabino pendant 50 ans. On y a tité, bilambate, au pagno, bonabouana, parce que ce babino, ce n'est pas vous respecter. Bon, votez, mouta, ok, ne vous défendre, bino, ma camnabino, pour solution, mon ana. Ngaïe, yon de copie Gérard, numéro 28, na national, na founa, la mouka, la 6 heures. Tende votengai numéro 28. Tamboule beta te inda te sala nengenin. Au bandit na présidentiel, la candidature de la fierté de la dignité congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Béton, au voté numéro 20, au voté numéro 28, pour toi qui ende osala moussala pour Congo qui ende liboso. Merci Founa pour la Oborosala, petit Kanzambe, à Pambola Biso. Voilà, merci à Pigérard et Lenga. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Nous serons là le mercredi, alors que les gens vont aller voter. Nous serons là dans ce plateau pour présenter l'émission. Ah, mais oui, hein. Madame, ah, monsieur, oui. Je voudrais... Grâce à la gueule, voter dans Oya. Ah oui, je reviens, oui, oui. Madame, monsieur, on a voté pendant la temps, après mercredi, on a eu dans le plateau. Madame, monsieur, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. À la même...